La fermeture est fermée, prêt à tout escalader. Salut les mecs, c'est Léo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les mecs, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Bon, vous l'avez vu. Hop, les mecs, le problème, il est réglé je pense. Ah, j'espère en tout cas. Aujourd'hui c'est le test de la bécane les mecs. Réparez bordel. Faut que je travaille le cardio moi. Eh, j'ai fait une pirouette acrobatique, je suis déjà mort. Bref, salut les mecs, j'espère que vous allez bien. Avant que cette vidéo commence, enfin plutôt qu'elle continue, mettez un pouce bleu et souscrivez à un abonnement. C'est gratuit. Bientôt ça passera payant. Donc 2022, ça va commencer à être payant les abonnements. Donc profitez-en, c'est gratuit. Salut les mecs, c'est Léo, j'ai besoin de vous prendre quelques secondes avant que la vidéo commence. Déjà, il y aura une outro et une intro super sympa, donc ça veut dire il y aura un début utile et il y aura une fin utile. Est-ce que c'est pour vous faire rester jusqu'à la fin de la vidéo? Peut-être, mais aussi parce que je devais le placer en fin de vidéo. Bon les mecs, comme vous l'avez vu, cette vidéo c'est pour réparer la derby, mais avant que cette vidéo commence, j'ai une proposition à vous faire. Enfin, c'est même pas une proposition, c'est un truc que j'ai fait qui est super cool les mecs, parce que je l'expérimente depuis quelques jours. Et avec tous les abonnés qui sont dessus, on kiffe. Du coup, je vais vous le montrer tout de suite et n'hésitez pas à rejoindre, c'est en description. Donc voilà les mecs, j'ai créé un groupe Telegram. Voilà, donc ceux qui connaissent pas Telegram, c'est un peu comme Discord. En fait, j'avais déjà un Discord communautaire pour la chaîne, pour tous les passionnés 50, mais en fait ceux qui n'ont pas Discord, ils savaient pas où aller. Du coup, ce que j'ai fait un Telegram, du coup c'est en description. On est bientôt 100 personnes les mecs, aux 100 personnes je vous fais gagner un petit billet, tu sais, parce que ça fait plaisir. Et si je peux vous faire gagner un petit billet, c'est que cette vidéo est sponsorisée, pas celle-là mais la prochaine. Et du coup voilà, n'hésitez pas à rejoindre le Telegram, il est juste en description. Aux 100 personnes dessus, je vous ferai gagner quelque chose. Et puis voilà les mecs, ça fait plaisir, n'hésitez pas à rejoindre. Et puis sur ce, je vous laisse avec la vidéo, les mecs, profitez bien, et puis voilà. Et vous allez voir ceux qui ont eu raison, qui a eu raison, quelle était la pièce à changer sur la moto. Bon voilà, j'ai dû changer quelques trucs, plusieurs trucs, vous allez voir dans cette vidéo. Sur ce, je vous laisse avec la vidéo, bonne vidéo les mecs, c'était Léo, ciao. Et le groupe du Telegram en description. Et abonne-toi et mets un like, 3000 pouces bleus, je vous sors une vidéo dimanche. On est quand même vendredi, j'en sors une dimanche, il y a 3000 pouces bleus, s'il n'y en a pas, il n'y aura pas de vidéo. Salut les mecs. Rejoignez-moi sur Instagram, il est affiché juste ici. Voilà, c'est beau parce que je fais des belles photos, tu vois, t'as capté. Je suis vraiment fatigué, on va éviter de se faire écraser. Salut! Mon copain, lui. C'est mon pote, c'est René. On la pêche ensemble. Bref, les mecs, donc voilà. Le problème a été identifié, je pense. On espère qu'il est réglé. J'espère qu'à ce moment de la vidéo, vous connaissez le problème. Vous avez un suspense ou ne serait-ce qu'un penchant pour le problème. Et je vais vous dire quel était ce problème. Déjà, vous avez trois réponses possibles. La réponse A, c'était les pneus. La réponse B, c'était la boîte de vitesse. La réponse C, c'était l'embrayage. Donc, sans plus tarder, là tu as dans les commentaires, tu mets ta réponse et je vais vous dire c'est quoi la réponse. Donc les mecs, le problème que vous avez vu au par ailleurs, qui était vachement embêtant, a été résolu. Déjà, on remercie 50 Factory parce que c'est grâce à eux. Le lien est en description les mecs, une livraison super rapide. J'ai averti de mon problème mercredi. Nous sommes samedi matin, la moto est remontée et normalement elle va fonctionner. Donc ça veut dire qu'en moins de 2 jours j'ai reçu le colis, moi je l'ai reçu vendredi. Salut mec, c'est mon collègue lui. Oh putain, mais ils sont beaucoup aujourd'hui, c'est la moto-école? Ah non mais oui, mais c'est la moto-école. Ah mais c'est vraiment la moto-école là. Ah, ils disent tous bonjour là, c'est pas possible. Bonjour, bonjour. Ah mais vraiment, il y a un gros problème là. Je te jure, ils se font tous un salut. Salut les mecs. Bon c'est bon, vous avez fini là? Ou vous m'invitez dans la balade? Ça y est, c'est fini. Bref, on remercie 50 Factory, super rapide, on collabore avec eux depuis super longtemps, on va négocier un code promo. Je vous en conjure les mecs, on va négocier un code promo tous ensemble. Bref, donc le problème c'est... Donc là bref, vous avez trouvé quel était le problème, je vais vous le dire les mecs. Le problème, il venait de... Là les mecs, je vais pas trop toucher parce que c'est chaud comme un barbecue, mon pote, tu poses une merguez, elle cuit. Ah. Donc les mecs, c'était tout simplement l'embrayage. Donc l'embrayage neuf, renforcé, qui vient tout droit de chez 50 Factory. Donc les mecs, on va essayer, on va voir si c'est bon. Tout a été fait, donc disque d'embrayage renforcé, les joints ont été changés, vidange complète, liquide de refroidissement partout, regardez comment il est beau. Il est beau, il est tout neuf, il est tout bleu comme un schtroumpf, magnifique. Donc là, si ça ne fonctionne pas, si ça ne tourne pas comme une horloge, il y a un problème. Je vais te montrer carrément, un tour de clé, un quart de clé, tu le sors, hop, tu le ramènes vers toi, hop, regarde. Oh, mais c'est de la musique, c'est calibré à la seconde près, premier coup de clic. Écoutez les mecs comment ça tourne. Bon, ça je vais m'en occuper. Je vais m'en occuper, je ne savais pas qu'il fallait l'entretenir. Je ne le savais pas, ça rouille. Mais à ce qui paraît c'est de la rouille de surface, donc en vrai ça pourra... Ça pourra s'enlever. Si vous avez des produits à me conseiller, n'hésitez pas à les mettre en commentaire pour réparer un pot, pour le rafistoler mon copain. Donc là ça tourne, elle prend ses tours. Bon là à l'arrêt, elle prenait déjà ses tours à l'arrêt hein. Mais on va voir si elle les prend en roulant, ça va être le test. Avec ce beau soleil, regardez.
C'est le signe. C'est le signe d'une bécane qui tourne comme une horloge, les mecs. Donc maintenant, on pourra dire embrayage neuf renforcé au 14 000. C'est pas beau tout ça? On va monter en selle et on va partir tester ça, mon copain. On va voir si le comportement de la bécane a changé. Si vous pensez que le comportement de la bécane a changé, mettez-le en commentaire. Mais maintenant, parce que du coup tu vas avoir le résultat. Donc tu vas tricher. Et après tu vas faire genre tu t'y connais et tout en moto. Alors tu t'y connais pas. Bon attendez, il fait un petit peu chaud, laissez-moi ouvrir mes aérations. Ça se dit ça? Attendez, je m'ouvre le trou. Nickel, oh là là, je vais être bien. Donc est-ce que ça gagne en perf? Est-ce que ça a changé? Est-ce que maintenant elle prend plus ses tours normalement? Allez, on va y aller. Bon, l'embrayage les mecs, on n'oublie pas. Du coup, il y a un rodage à effectuer. De toute façon, à chaque fois qu'il y a une nouvelle pièce sur votre bécane les mecs... Allez-y mollo. Donc là vous voyez que c'est la même conduite que la dernière fois. Y a rien qui change. Là tu peux rouler, si t'es pas dans les tours tu peux rouler hein. Ça fonctionne. Est-ce que j'ai pris la meilleure route pour tester? Je ne crois pas mais bon on va essayer. Donc là voilà, tranquille, tu passes les vitesses. Tu montes les tours. Ça monte. Ça monte. Oh là là. Mais ça ne s'arrête plus. On passe tranquille, on ne casse pas les oreilles. Bah alors les mecs, on dirait que c'est réparé. Donc c'était bien ça le problème. Réponse B, l'embrayage. Attends, c'est la B ou la C? Oh, je sais même plus. Ou alors là, t'arrives dans ce cas-là, tête avance, priorité à droite, y a personne, tu peux t'engager. Donc voilà les mecs, c'était bien l'embrayage qui merdait. Ça faisait que il patinait haut dans les tours. Enfin bref, t'avançais pas, une galère. Embrayage changé et là ça revient de 1000 voix, ça revient de 1000 feux. Est-ce que pour vous, ça peut venir d'un autre endroit aussi en complément des disques d'embrayage? Genre en mode, les disques d'embrayage sont changés, mais je devrais vérifier d'aller changer ça ou quoi? Ou de juste contrôler, voir si ça tout va bien. Parce que toujours ça fonctionne comme ça. S'il y en a une qui pète, ça va entraîner celle-là, ça va entraîner celle-là. Ou juste vraiment les disques d'embrayage, ils sont indépendants et rien ne va les lier à d'autres choses. Bref les mecs, ça fait super plaisir de rerouler. Bon, il n'y a pas un temps de fou, mais il pleut pas, il y a un petit peu de soleil, il fait pas très chaud, on a dû ressortir la petite veste et les petits gants. Enfin, quoique de base, on les sort quand même les gants, mais on roule en claquette de chaussettes, tu vois ce que je veux dire? Logique. Est-ce que le comportement, il a changé? Moi. Est-ce que le comportement de la bécane a changé? Est-ce qu'il y a plus de perf, moins de perf? Comment ça réagit? Eh bah, ça sera à vous de me le dire dans les commentaires. Avant le passage de cette magnifique Panamera GTS. Oh là là. Petite Carrera. Il sort ça lui le samedi, il est bien. Ah il est bien mon loup. Ça sera à vous de me le dire dans les commentaires si vous trouvez que la bécane, son comportement a changé. Moi je sais comment elle réagit parce que c'est moi qui la conduis, j'ai envie de te dire. Mais vous, est-ce qu'à travers une vidéo, vous seriez prêt à dire oui? Bah je pense que ça a changé, tu vois. Parce que ouais, en vrai, le comportement y a changé. Je vous laisse me mettre dans les commentaires, deviner qu'est-ce qui a changé. Est-ce qu'on prend de la pointe? Est-ce qu'on prend de l'accélération? Voilà, qu'est-ce qui a changé du comportement? Et pour ça, rien de mieux que de faire la course contre un Ford Kuga. Et ça suit, mon copain. Non, en vrai, les mecs, ça me fait super plaisir de rerouler. Surtout que ça a été fait super rapidement. Parce qu'en fait, j'avais besoin de la moto pour la semaine prochaine. Vous allez voir, semaine prochaine, il va y avoir une vidéo. Vous kiffez. Donc j'avais absolument besoin de la moto. Donc là, 50 Factory, ils ont été au top. Ils ont géré parce que, frérot, en moins de 2 jours, j'ai eu tout ce qu'il me fallait. Et puis on a pu tout refaire. Bon, on va ralentir avant qu'on se tape un cycliste, mon ref. Parce que là, allez-y les frères, allez-y. Je vous laisse passer, il y a son père derrière. Bon, dites-moi que c'était vous les derniers quand même. Attends, c'est moi, il roulait avec des ballons. Ah, mais c'est quoi ça? Mais moi, je vais en faire, moi. Mais pourquoi je suis pas invité, moi? Mais non, c'est de l'électrique debout. Ça tue. Du coup, voilà, on peut les remercier parce qu'ils ont été tellement rapides. En moins de 3 jours, le problème a été résolu et réglé. Et là, vous pouvez voir qu'elle se comporte plutôt bien, la bécane. Et ça fait extrêmement plaisir.
Il y a tout qui marche, ça fait du bien. Là, elle marche bien. Là, ça prend les tours. Ah, ça fait du bien d'avoir une bécane qui marche, les mecs. Wow. Attends, pardon. Pardon. I'm just fucking lit, man. I'm just fucking lit. Drink a bottle of this shit, man. Bottle of this shit. I'm about to write a hit. Bon, bien sûr, tu te dis pas, la vidéo, je la finis pas déjà maintenant. Ok, donc là, vite fait, vous avez vu la moto, ce qu'on a changé. Donc, ce qu'on a changé, c'est de l'autre côté, les mecs. C'est les disques d'embrayage, voilà, c'est ce qui se situe ici. J'ai pas pu vous faire le démontage parce que j'étais en examen cette semaine, du coup c'est pas moi qui a fait le démontage. Mais je tenais à vous prendre sur cette 20 vidéo pour vous dire que les mecs, ceux qui voulaient voir ce que j'ai mis sur la moto, et bah c'est des disques d'embrayage renforcés mal aussi qui viennent de chez 50 Factory, il y a un lien en description. Et puis aussi il y a plein d'autres pièces. J'ai commandé le mercredi, j'ai été livré le vendredi. Du coup si jamais vous cassez votre moto et que vous voulez une livraison super rapide, vous savez où aller. Et puis voilà, donc disque d'embrayage tout neuf. Il y a aussi cette pièce là, alors qui va bientôt être changée. Donc j'ai la pièce d'origine, mais peut-être qu'il y aura une pièce modifiée. Je sais pas, peut-être, peut-être. Et dites-moi si vous kiffez les vidéos à la GoPro, parce qu'en vrai moi je kiffe en faire. Du coup si vous voulez des vidéos à la GoPro, je peux vous en sortir une par semaine ou une par mois. Et j'essayerai de faire de la mécanique. Parce que voilà, il y a les 100 000. Voilà, vous savez, il y a eu les 100 000. J'espère que ce week-end il y a le concours qui va sortir. Hein, quoi, un concours, bref. Venez sur Instagram, c'est une chose spéciale pour les 100 000. J'espère que ça va se faire ce week-end. Malgré l'emploi du temps chargé, mon pote, c'est un truc de fou. Mais voilà. En tout cas, les mecs, j'espère que vous aurez kiffé la vidéo avec ce petit coucher de soleil. Et puis voilà. Et je voulais vous montrer ça aussi, les mecs. Regardez, c'est Rue Rock France qui m'a envoyé ça. Un beau petit nouveau casque, full carbone, les mecs. Je suis en train de le tester. Et puis si je trouve ça cool, je vais vous en parler. Puis regardez avec le soleil. Franchement, ça rend pas mal. Hein. C'est en full carbone. J'ai mis une petite visière sympathique. Je me suis pété le doigt pour vous montrer ça, mais. On est bien dedans et franchement il est cool, hein. Franchement sympa, ça va. Je le teste et je vous en dirai plus très prochainement. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bon week-end. N'hésitez pas à mettre les pouces bleus, 3000 pouces bleus. Il y a une nouvelle vidéo ce week-end et puis mettez les pouces bleus, les abonnements, les commentaires. Venez sur Instagram. Oh lui, il n'y a pas le temps. Oh lui, il n'y a pas le temps, mon frère. Oh. Bref, sur ce, je vous laisse. Si vous aimez les vidéos avec la GoPro, mettez des pouces bleus. Enfin, dites-le moi en commentaire et je dirai les commentaires. Et merci à tous. Bisous. I'm just fucking lit, man, I'm just fucking lit. Drink a bottle of this shit, man, bottle of this shit. I'm about to write a hit, man, I'm about to write a hit.